Allez, on est au Mans dans l'atelier de Lille La Force. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Alors, je vois un peu du verre, un peu de couture. On est vraiment dans un atelier de création Ouais. ici. Votre métier d'origine, c'est quand même le verre. Oui, je suis formée pour le verre soufflé. Je suis Vous avez vu, souffleuse de j'ai verre. bien dit ce que je vous dis, souffleuse de verre ou pas. Je me suis dit, bon, je lui mets comme ça dans les pattes le verre. À l'origine, souffleuse de verre, hein, c'est ça? Voilà, oui, j'ai une formation de souffleuse de verre. D'accord. Vous avez été diplômé, vous avez gagné un concours. Racontez-nous un petit peu ce parcours. Oui, alors j'ai fait ma formation dans une école qui s'appelle le CERFAV, c'est le Centre européen de recherche et de formation aux arts verriers en Lorraine. D'accord. Et donc à la fin de ma formation, j'ai postulé pour un concours d'atelier d'art de France et que j'ai gagné. Et du coup, ça m'a permis d'exposer tout de suite sur un grand salon international qui s'appelle Maisons et Objets. Eh oui, maison et objets à Paris. Et du Voilà. coup, ça vous a développé tout de suite une clientèle. Voilà, une clientèle internationale, tout à fait. Oui, parce qu'en fait, ici, on est au Mans, mais vous me disiez, avant qu'on appuie sur l'enregistrement de la caméra, que finalement, vous travaillez, vous avez une clientèle qui n'est pas spécialement mancelle ni sartoise, quoi. Non, pas du tout, parce que je ne suis pas très connue et que je travaille surtout avec des boutiques, en fait. Je travaille avec des professionnels qui, eux, revendent. Ouais. Après, j'ai aussi un site internet où j'ai un petit peu de commandes, mais voilà, plus de France pour le coup. Ben, vous êtes mancelle à l'origine Non, je suis née à Saumur, pas ou... très très Ah, pas loin très quand loin même. quand même, Voilà, ça. mais on est revenu dans la région pour se rapprocher de nos familles. Aujourd'hui, votre activité, elle a évolué. On voit ces créations-là. C'était Oui. le tout début, en fait, ça? Oui, en fait, c'est des créations que j'ai réalisées quand j'étais encore étudiante. D'accord. Donc, Vous les j'ai. gardez comme des doudous? J'en vends encore, en fait. D'accord. J'ai fait une production et du coup, il m'en reste quelques-unes que je vends encore au compte-gouttes sur mon dernier stock. Et aujourd'hui, vous êtes plutôt allé vers la création de bijoux, pourquoi? Alors, ça a été vraiment un choix de changer parce que la création en verre soufflé, c'est assez contraignant. Moi, j'ai pas d'atelier de verre soufflé, donc je Ouais. louais des ateliers. Je partais à la semaine. D'accord. C'était compliqué à gérer avec une vie familiale. Donc, j'ai préféré trouver un compromis où à la fois je puisse être proche de mes enfants et en même temps continuer de créer. Et ça n'a pas été compliqué pour vous de refaire la clientèle ou de, je sais pas, de remanier cette clientèle? Alors j'ai fait une petite pause en fait entre le moment où je faisais plutôt vraiment de la création verre soufflé, une petite pause familiale, et donc quand j'ai repris sur le salon Maisons et Objets, ça a été tout de suite une nouvelle clientèle puisque j'apportais plus le même produit. D'accord. Et donc si, parce qu'au départ on tâtonne un peu, le temps que les boutiques nous connaissent et puis nous Ouais. fassent confiance, ça prend un petit peu de temps. Ouais. Vous alliez aussi, bah vous parlez de maisons et objets sur les salons et tout, donc une année là, comme on vient de vivre, c'est un peu compliqué C'est pour vous très aussi, compliqué. ouais. Ouais, c'est très compliqué. C'est une année. Bon, on a quand même un peu de soutien de l'État, mais pour les artisans d'art, c'est vraiment, vraiment très compliqué. Qu'est-ce qui vous a attiré dans le verre? Pourquoi vous êtes parti dans cette filière? Parce que pour moi, c'était un matériau qui me semblait assez inaccessible, assez mystérieux, du coup, et puis assez noble en fait. Parce que voilà, c'est une matière très particulière et ce côté très mystérieux, j'avais envie de me l'approprier, j'avais envie de le découvrir. C'était un peu un challenge et donc voilà, j'avais envie de me dépasser en apprivoisant ce matériau-là. Aujourd'hui, vous vous fournissez, je vais faire celui qui s'y connaît un peu, mais en verre de Murano, on en a vu quelques-uns ici. Murano, il y a eu aussi l'Allemagne, c'est certainement on va dire, ce qui est le plus accessible ici, En le fait, Chalumeau. oui, parce que les baguettes, pour le verre au chalumeau, on utilise des baguettes qui sont déjà faites. Et l'usine est à Murano, donc on appelle le verre de Murano parce que simplement, il est fabriqué là-bas. Ouais. Et vous approvisionnez là-bas. Je vois qu'il y a l'atelier qui est juste derrière. Effectivement, la technique du chalumeau, on va dire que pour les personnes qui souhaitent appréhender la technique du verre, c'est le plus simple. Oui, c'est vraiment le plus accessible parce que ça ne demande pas une technique très poussée pour avoir juste un résultat, juste les bases. Donc du coup, on peut apprendre très rapidement à faire sa première perle. Il faut juste apprendre à vraiment utiliser ses deux mains de manière synchronisée. C'est souvent ce qui est compliqué pour les gens qui débutent. Et puis on arrive très vite à un résultat. Après, évidemment, on peut pousser la technique Ouais. et ben, aller dans des choses très compliquées, très précises. Mais c'est vrai que c'est le plus accessible. Et puis, c'est pas un investissement non plus très lourd pour des personnes qui souhaitent s'y mettre.
Oui, tout à fait. C'est vraiment accessible. Il faut voilà quelques pièces chalumeaux, quelques pièces techniques. Mais ensuite, on peut utiliser un concentrateur d'oxygène et des bouteilles. Et du coup, c'est assez facile de l'installer chez soi. Vous, vos créations, on en voit quelques-unes ici, hein, c'est ça, Alors hein? ça c'est Ça, c'est des les essais, vieilles? c'est oui, c'est des choses que Les je essais, montre ou plutôt. voilà. Après ça va être plus Ouais. être ce genre de choses où je mélange, alors je mélange beaucoup les Ouais, techniques. c'est ça. Et Donc les matières aussi, oui, quand même. je travaille le verre au chalumeau, mais je m'intéresse pas forcément à aller très loin dans la technique du verre au chalumeau. Moi ce qui m'intéresse c'est vraiment le bijou final. Donc j'allie les matières suivant ce qu'elles peuvent m'apporter, D'accord. ce qu'elles peuvent proposer. Donc voilà, la transparence, la brillance. Et puis à côté, le textile, vraiment deux matériaux très différents que je mets ensemble. C'est vous qui dessinez tout? Oui, Ouais. oui, oui. Au gré des inspirations. L'avantage aussi, enfin, c'est pas l'avantage, mais la technique du verre, elle est particulière aussi parce que, en fait, le verre ne se mélange pas, hein, il se superpose. Alors, Quand on met deux couleurs oui, différentes, voilà, d'accord, je vois ce ouais. que vous voulez dire. Excusez-moi. Oui. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas forcément avoir tous les effets qu'on souhaiterait. D'ailleurs, ça a été un petit défi pour moi parce que, par exemple, alors ici, je voulais faire des petits radis, des petites broches radis. Et en fait, je ne pouvais pas obtenir vraiment le rendu que je souhaitais ici parce que j'avais un côté blanc, un côté rouge ou rose. Et moi, je voulais avoir cet effet de fondu, de dégradé. Et donc, il a fallu que je cherche des techniques, que je fasse plein d'essais. Et finalement, j'ai réutilisé le verre qu'on utilise à la base en soufflage. Et j'ai utilisé des couleurs qu'on utilise en poudre. En fait, j'ai apporté mes techniques de soufflage au chalumeau D'accord. pour pouvoir avoir ce rendu-là qui fait presque un effet céramique au final. Une grande source d'inspiration dans la nature, ce que Oui, je tout à vois. fait, ouais, voilà, moi. Vous êtes Oui, resté c'est sur. le végétal et la nature, tout à fait. Je vois aussi des robes et tout ça. En fait, là, c'est juste. Vous êtes une Ça, c'est créatrice voilà, ça, c'est dans pour toute mon son petit plaisir, entièreté. voilà, c'est mon plaisir personnel, la couture. Bon, je l'utilise dans mes bijoux, mais je me fais aussi plaisir à en faire, mais vraiment plus pour moi, pour mes enfants. Vous êtes installé ici depuis une dizaine d'années, hein, maintenant, Ouais. c'est ça, avec ce très joli atelier. Finalement, on est quand même pas très loin du centre-ville du Mans. Vous avez un espace assez agréable pour travailler. Ça aussi, ça, c'est inspirant, ou en tout cas, c'est pratique, on va dire, pour travailler. Ben oui, moi c'est très pratique parce que c'est dans ma maison, c'est accessible aussi directement de la rue, Ouais. donc ça m'arrive de recevoir des personnes. C'est très pratique parce que ça me permet vraiment d'allier ma vie personnelle et ma vie professionnelle, de travailler parce que quand on travaille avec des commandes avec des professionnels sur Maison Ouais. Objet, on va avoir des grosses commandes d'un coup où j'ai beaucoup beaucoup de travail, puis des périodes un peu plus creuses, donc ça me permet vraiment de varier suivant mon travail. Vous avez des best-sellers, c'est-à-dire des ce qu'on vous achète le plus, les magasins qui vous connaissent? Alors c'est très particulier parce que suivant le type de boutique, suivant les pays, Ouais. ça peut vraiment varier. Donc c'est vrai que par exemple sur toute la partie verre soufflé, ces deux produits ont été vraiment des best-sellers comme vous dites, parce que c'est des produits qui tout de suite tapent à l'œil et Ouais, sont carrément. faciles d'accès. Et puis sur les bijoux, bah, par exemple, je travaille pas mal avec l'Asie, ça va être des choses très fines, très délicates comme ça. Voilà, avec chaque pétale est en textile, Ouais. découpé, peint à la main. Et puis des petites Peint à touches. la main. Oui, Aïe. je pars d'un tissu vraiment coton blanc, classique, je peins tout à la main, tout est découpé. Et puis sur des pays comme les États-Unis, ils aiment bien les choses beaucoup plus visibles, qui claquent un peu. Donc ça va être vraiment plus sur des pièces plus D'accord. importantes. Et c'est quel type de magasin? C'est des petites bijouteries, Pas pas forcément? non, pas forcément, ça va. Ou type Galerie Lafayette, ou choses comme ça? Ça va plutôt être. Alors, au Japon, il y a des grandes galeries comme ça qui ressemblent un peu aux Galeries Lafayette. Sinon, ça peut être des concept stores qui ont vraiment. Ils aiment présenter des artistes et ils D'accord. vont faire ce qu'ils appellent un one shot, une saison où ils vont faire toute une vitrine sur un artiste et présenter voilà, toute une collection. Mais ça varie. Ça peut être plutôt des concept stores, des boutiques un peu branchées. Ça vous a permis de voyager, du coup, votre métier? Vous êtes allé un peu dans les Non, différents pays où bah, vous pas exposez? encore. Pas J'avais un encore. projet pour aller en Asie, au Japon, mais bon, voilà, avec la situation actuelle, Ouais. tout est remis en question à ce niveau-là.
C'est des choses que vous essayez d'inculquer à vos enfants aussi. Vous en avez beaucoup parlé de cette vie professionnelle et personnelle qu'il fallait, où il fallait faire attention. Justement, ils sont juste derrière, on les a vus tout à l'heure, mais ils sont un peu aussi comme ça, ils ont un peu l'esprit artistique aussi. Oui, ils aiment bien venir farfouiller dans mon atelier, me piquer des trucs que je retrouve dans leur chambre. Mais oui, ils aiment bien toucher à tout, c'est sûr. Ils me réclament beaucoup d'ailleurs de venir faire un peu de céramique, de faire des choses. Et vous êtes issu d'une famille artistique? Oui, tout à fait, ouais. J'ai ma Les chefs n'ont grand-mère pas qui des chats. est, voilà, qui était peintre, et puis toute ma famille est très branchée. J'ai un frère qui est professeur d'art appliqué, un autre qui travaille le métal, qui fait beaucoup les socles dans les musées. Donc il est vraiment, ouais, c'est toute la famille est autour de l'art. Aujourd'hui, donc là, vous continuez vos créations, vous continuez d'envoyer quand même actuellement, Alors malgré la crise, là, là, j'ai même si les fait. stocks ont chuté, j'imagine, enfin pas les Ouais, stocks, ouais, mais les ouais. ventes. Là, j'ai fait une petite pause, parce que une pause imposée, voilà, plutôt. Après, j'essaie de commencer à réfléchir à des nouvelles collections pour le salon Maison Objet de septembre, sachant qu'il y a eu 3 salons annulés et qu'on espère que le salon soit maintenu. Après, on n'est pas à l'abri d'un nouveau report, parce qu'évidemment, c'est un salon international, donc les gens viennent de De partout dans le partout. monde. Donc avec la crise actuelle, on ne sait pas très bien comment ça va se passer. Donc, il y a beaucoup de choses qui se développent en ligne. C'est pas une partie où je suis très à l'aise en fait sur le numérique, et donc bah, je pense qu'il va peut-être falloir Vous y mettre un petit peu. m'y mettre un peu plus, ouais. C'est pas forcément évident. Maison et objet, j'ai vraiment l'impression que dans votre activité, c'est le salon Oui. le plus important pour vous. C'est celui qui vous a permis de décoller. C'est celui qui vous permet de Oui. continuer de travailler. Complètement, oui. Oui, c'est un gros salon, donc pour moi, je préfère travailler 6 mois sur une collection et la présenter ensuite. Et sinon, je fais un autre salon qui s'appelle Résonance, mais qui est vraiment situé assez loin, c'est à Strasbourg. Donc il y a des gens qui viennent de partout autour de Strasbourg. Mais c'est un salon grand public, c'est la première fois que je le teste et c'est intéressant. Ok. Merci beaucoup. Ben, merci à vous.